le prophète de l'Enrouge, j'avais dit quoi ça? Comment il est là? Tu as encore bien aimé? Regarde, mais voir combien? Donc, c'est pas combien? Amen. Alléluia. C'est une révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Mais il a comment t'as gommé? Isaïe 63. Il est Gota. Voilà, c'est tout. Amen. C'est une unité spéciale. Il est oui, que. Et quand vous lisez Isaïe 63, vous comprenez que la Bible nous parle de l'homme qui vivait de Bostra en vêtements éclatants, en vêtements rouges. Ce n'est pas une doctrine, sinon tout le monde serait en rouge. C'est à moi que Dieu a parlé et je ne fais pas de scène sous moi, d'accord, je n'ai pas la suite de ma puissance. C'est pour ça que je ne suis pas toujours en rouge. Mais la touche m'a été imposée par Dieu. Mais là, comment il y a un plein? D'ailleurs, j'étais l'un des prophètes, les premiers à porter touche à Abidjan. Aujourd'hui, tout le monde porte touche. Celui qui peut m'insulter, m'a insulté. Aujourd'hui, il commence à porter touche. J'ai été le premier. Voilà, à commencer à porter touche. Aujourd'hui, chacun veut porter touche. Notre milieu, j'ai un mot dedans qui est rentré. Mais c'est pas bon. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? D'autres sont évêques, d'autres bishops. Moi, j'étais le premier d'ailleurs. Et ça a été objet de beaucoup de calomnies, on m'insultait. Je ne comprenais pas. C'est comme ça. Quand Dieu te parle, tout ce qui m'immue à côté de la femme l'oreille. Pour nous aller, nous finirons plus tard à comprendre. Amen. Donc, Matos, c'est. Dieu qui m'a imposé ça. Voilà. Tant pis, celui qui ne comprend pas. Oui, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Tu vas trop parler, ils ne vont pas comprendre. Ce qui est dans la tête là, c'est ce qui pense que c'est vrai. Moi, je suis arrivé au stade où je m'en fous. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous avons commencé nos activités depuis hier. Le programme de semaine. Voilà, ici c'est un centre de prière de délivrance. Seul Jésus-Christ est Seigneur ici. C'est lui seul qui est Seigneur. C'est tout, un point bas. Oui. Amen. Tu es ministre, tu es président. Tu viens ici, on va te recevoir comme les autres. Il n'est pas le temps, il dort. Moi, il s'est bien fait ça d'ailleurs. Donc, venez pas corrompre les gens. Ils m'ont dit, on est à la réception, d'autres qui viennent, dit, quand ils voient le numéro 100 et quelques, ils donnent. Vieux, mais l'homme même est bizarre. T'as fait d'église là, j'envoie corruption. Oui, il a fait son frère. Il a dit non. Tu as reçu ton truc. Un chef attend le prophète. N'envoyez pas cet esprit là ici. Vous êtes venu pour être délivré de ce démon là. Non, ici il n'y a pas de corruption. Tu es ministre. Il est président. Lui, je l'ai menacé hier. Et je lui ai dit, je veux plus que tu rentres dans ma chambre. Et on a pris un peu. Il vient me voir, je suis dans la chambre. Il y a un monsieur qui a une école là-bas. Il dit de venir prier pour lui. J'ai dit, quitte ma chambre. Il y a des gens ici qui sont venus, je ne les ai pas encore reçus. Quoi, il vient là, parce qu'il a école, ça veut dire quoi? Moi, quand sors de ma chambre. France, c'est vous qui gâtez le travail de l'homme. Ah, t'as quoi le verrou? Tu as compris? Ici, il y a un secrétariat. Il y a des gens qui sont venus ici. Il ne les a pas encore reçus. Ah, moi, il est là. Parce qu'il a école. C'est toi qui l'influence. Moi, ça y est. Je ne suis pas venu à cause d'argent ici. Vous servez Dieu. Il n'a les gens qui sont là. Quoi, ils n'ont pas encore reçu. Voilà, il y a des plaidus, les cas. Il y a un monsieur qui vient, il a l'école. Ah, moi, il y a l'école, il dit ça. Il dit bien. Va t'asseoir. Non, j'aime pas qu'on gâte mon travail. Il y a des gens qui sont là. Quoi, ça fait des jours qu'ils sont là. Je ne les ai pas encore reçus. Toi, tu veux me corrompre. Tu veux me présenter un truc parce qu'il a école. Vaincu. Mais oui, ne gâte pas mon travail. Attends le verrou. Tu dois lui dire doucement. Faut t'aligner comme les gens. C'est comme ça. C'est vous qui m'avez aidé dans mon travail. Pas gâter mon travail. Aidez-moi à avancer. Ne gâtez pas mon travail. Oui, c'est vous qui êtes autour là. C'est vous qui allez gâter mon travail. Aidez-moi. D'accord. Il rentre dans ma chambre. Ici, il y a un secrétariat. Vous venez. Ou il y a des sous-secrétariats, on vous donne les informations. Si vous voyez une autre personne, je ne suis pas dedans. Il n'y a combien? On est d'accord? Voilà.
Amen. On fera un effort pour que tous ceux qui n'ont pas été reçus hier soient reçus aujourd'hui. Hier, on a effectué un voyage. Aujourd'hui, vous serez reçus par la grâce de Dieu. Amen. On est d'accord avec ça? Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Tu es président. Il est président. Tu es ministre. Il est ministre. Tu vas t'aligner au même programme que les autres. Ici, il n'y a pas mieux pour ça, nous. Chacun est venu chercher Dieu. Non, je suis. Vous savez, je suis ça. Quand tu brandis ça, la maman, il fait mon oreille. Si tu veux m'influencer un titre. Jésus est Seigneur. C'est tout. Tu as trouvé des gens. Il faut chercher à t'informer. Il faut attendre. Il faut attendre. Si tu es pressé, c'est comme ça ici. C'est la paix. On m'a bien saisi. Amen. Je suis en train de mettre de l'ordre autour de moi. Là. Le gouvernement a je suis en train de mettre de l'ordre. Comme ça, une œuvre humaine n'est pas parfaite, mais il faut se parfaire au fur et à mesure. Je suis en train d'organiser des choses. C'est pour vous. C'est vous laquelle me renverser un jour. Les égards de Judas, vous pensez qu'il était quitté ailleurs. Judas, manger Jésus. Voilà, je dis qu'il est d'accord. Amen. C'est un enseignement. Amen. Je ne vais pas permettre qu'il y ait Judas pour me ravisser. Les gens sont venus, il est venu à la collège. Il dit tu as prié pour lui. Encore il dit c'est toi maintenant qui es secrétaire. Là moi le combien quoi mon joie quoi. Dégage. Bagi. Amen. Amen. Les gens sont venus. Il y a des gens qui sont ici. Oh, vous voulez payer? Je ne les ai pas encore reçus. Alors, viens hier. Quelqu'un qui vient d'arriver à peine. Oh, yo, c'est câble, quoi. C'est lui qui doit venir en l'heure de bras. Moi, il est là, quoi, y'a. Il est pour lui. À quoi, il est tu trouves ça normal? Et il est là, et qu'il est quoi? Parce qu'il dit, mais toi-même, quand tu es réfléchi, et il manque tout. Tu trouves ça normal? Et il est qui t'a dit quoi? Ça dit, tu n'es pas un homme dans le travail. Non, il n'y a même pas un homme. Lui, vient à peine d'arriver. Moi, il est à collège. Le manque au collègue, les gars. Il a prié pour lui. Ah, lui, mais qui va, c'est pas, qui va même pas mangue là. Pauvre, il va me recevoir. Ils sont au même titre, on va les recevoir comme ça. Il ne va pas manquer, pauvre. On les reçoit. Bon, aidez-nous dans le travail. Aidez-nous à avancer. Oui. Il ne faut pas venir, ne venez pas, vous mélanger le travail. Amenez-nous à être honnêtes. Aidez-nous. C'est tous ceux qui sont autour de moi. Amen. Voilà, que la gloire revienne à Jésus. Amen. C'est comme ça. C'est tu es venu, on t'a donné un numéro, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours les noms, la liste. La liste, tout ça, et puis je note. Donc, au fur et à mesure, ceux qui ne sont pas reçus, je fais un effort pour qu'on les reçoive. Voilà, c'est comme ça ici. Tu serais tout reçu par la grâce de Dieu. Il n'a pas avec ton titre, mais je suis désolé. Pour ça, je suis ministre. Le petit paysan qui est venu avant toi. On le reçoit avant de te reçoit. Amen. Et si tu es ministre, tu as une commission de la part du président qui veut me rencontrer. C'est une commission, je vais t'écouter. Maintenant, je suis venu pour que tu t'occupes de moi. Attends d'abord. C'est comme ça. Non, j'ai une commission. Bon, d'accord. Quand tu as une commission, je t'écoute. Viens, je t'écoute. Je veux que. Attends. Lui, il est venu avant toi. Moi, il est venu. Attends d'abord. Amen. On a laissé Abidjan pour être ici. On a laissé Abidjan. Non, c'est ce qui se passe à Abidjan. Tous les grands là. Vous savez que les grands là sont poursuivis par les sorciers. Chacun veut les manger. Oui. Chacun veut les manger. Donc, il nous cherche. Notamment la nuit, on nous cherche. Chez lui là, c'est où? Moi, bien, il me cherche partout. Quoi? Je le vois, il s'est étonné. Ah, c'est toi. Il... Mon gars, vraiment, appris pour moi les sorciers. Mais là, vous avez un cahier. Je pourrais rester à Abidjan. Je ne suis pas venu à Zaroko pour plaisanter. Aidez-moi à avancer. Aidez-moi. Il faut m'aider. Voilà. Alléluia. Il faut m'aider. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Yanasayo, Biapa.
yapa. Atolaka oya na sayo. Yapa maniyo, oya na sayo. Yapa maniyo. Jeje oya na sayi. Yapa maniyo, oya na sayo. Yapa. Atolaka oya na saye. Yapa maniyo, oya na sayo. Yapa maniyo. Yapa maniyo, oki oya na sayi. Yapa. Portée spirituelle. Oui, vous m'avez lancé un défi. Appa, mais vrai. Oui, appa, vrai. C'est un défi. Appa, vrai. Les sorciers ont dit qu'il n'allait jamais reçu. Il n'allait jamais marié. Et puis, du coup, j'ai eu un sauveur. Il y a quoi, Seigneur? Et Jésus. Et ils ont commencé à fuir. Et quoi? Et j'ai dit dans ma parole, venez, vous allez vous désirer. Aïe, aïe. Briapa nagi, oki oya na sayi, briapa. Atolaka oya na sayo. Briapa nagi, oya na sayo. Briapa nagi. Jeje oya na sayi. Briapa nagi, oya na sayo. Briapa nagi. Atolaka oya na sayo. Briapa nagi, oya na sayo. Briapa nagi. Briapa nagi, oki oya na sayi. Biapa nagi, oki oya na sayi, biapa. Jeje oya na sayo. Abandonné.
ne deviendra jamais une pierre. Ne pas une église, yeah, ne tiso, ne pas une église, tiso. Il me dit, mais tu chantes en petit. Oh, mais oui. En français. Il dit, mais je chante. Bien, tu chantes en français comment? Moi, attends, mais quoi? Les gens chantent l'aide de Molo, vous insultez. Moi, bien, vous dansez quand même. Là, yé. Qui comprend ça? Ah, mais là. Mon cher, celui qui ne veut pas comprendre, ah, il va chercher à comprendre. Ah, bah, il va venir à la source. Oh, yé, mais. Moi, je chante en bété. Ah, mais bété, oui. Pour montrer aux blancs que ce n'est pas en français. Gars, seulement, gars, là, on peut chanter Dieu dans nos voilà, oui, tiens, allez, oui, oui. Amen. Je ne suis pas français. Tu as compris quoi? Non, il faut qu'on me gagne ce lien un peu. Il dit, moi, non, je ne suis pas en train de vendre l'album ici. Implapé, Yahima. Calendez-vous. Amen. Je chante Dieu dans ma langue. C'est comme ça partout. Je chante. J'explique. Je vous apprends les chants. Dieu, il est vivant. Dis amen. Il est digne de louange. Amen. Amen. Je suis en même temps chante. Voilà, je suis chante. Je suis auteur-compositeur. Il y a beaucoup de gens qui prennent mes chansons, qui chantent. Mais c'est bon aussi, c'est bon. Amen. Amen. C'est très bon aussi. S'il y a quelqu'un à côté, Jésus est vivant. Amen. Parce que la louange est différente de l'adoration. Dans la louange, louer Dieu, c'est lui dire ce qu'il a fait. Merci. Amen. C'est au bienfait. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Elie la gona mu magere kemu o gere kemu a ki hipia o. Oh ouais, c'est pas Ozia, non. Oh ouais. Le Dieu de l'île d'aller partout. Elie la gona mu d'aller quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Chacun, oui le Dieu ça. Amonsale, c'est toi qui m'as choisi, Amonsale. Pas jamais. À mon salaire, c'est toi qui m'as choisi. C'est pour ça que je m'en vais. Mais bah, mais sans mais discuter, sans bavarder. Parce que tu apportes tout ton choix. Je suis prêt à obéir. Elie la gona mon magere kemu o gore kemu a kiki pia o. Elie la gona mon magere kemu o. Bregemoa qui piao. Amen. Amosale. Amosale.